Bonjour, je me présente Annie Siganvert et Christina Bellu. Nous sommes professeurs au Conservatoire de Mulhouse et nous allons vous présenter le violoncelle. Le violoncelle est un instrument de la famille des instruments à cordes frottées, car nous utilisons un archet que nous allons poser sur la corde et mettre en vibration la corde. Nous avons quatre cordes, le Do, le Sol, le Ré et le La. Nous pouvons jouer avec l'archet et d'une autre manière en pinçant les cordes, ce qui s'appelle les pizzicati. La sonorité est bien différente. Le violoncelle est un instrument très très complet de la famille des cordes et en fait il peut jouer des sons très graves. Mais il peut jouer aussi des sons moyens. Et des sons aigus. On peut jouer le violoncelle tout seul ou avec trois ou quatre autres instruments, avec le piano, le violon, la guitare, la trompette, en orchestre également, faire du répertoire classique, rock, pop, jazz, tout est possible au violoncelle. Beaucoup d'enfants nous demandent, mais est-ce qu'on peut jouer le violoncelle quand on est tout petit ? Eh bien oui, nous avons des violoncelles de différentes tailles. Ça, c'est le plus petit. On peut les jouer quand on a déjà pratiquement 3 ans. Il y en a aussi des un peu plus grands et encore un peu plus grands et encore un peu plus grands pour arriver à ces violoncelles-là qu'on appelle le 3 quarts et qui est juste un tout petit peu plus petit que le violoncelle pour adultes qu'on appelle l'entier. Pourquoi nous avons choisi ces bels instruments ? Parce que quand on joue l'instrument, il résonne avec nous et nous résonnons avec l'instrument. On vibre ensemble. Alors, on vous invite, les enfants, à venir essayer les violoncelles. Nous vous attendons nombreux et nous vous disons au revoir. À bientôt.